C'est pour taire l'intox, en communiquant davantage sur la réforme de l'administration publique, que le ministre de la fonction publique s'est rendu dans cette province du Sud Kivu. Premier concerné, les institutions provinciales, l'Assemblée et le gouvernement provincial. La réforme du processus de recrutement et les garanties des transparences, la réforme du système de sécurité sociale, la problématique des nouvelles unités sont notamment les préoccupations soulevées lors des débats. Nous avons eu du mal à résister au choc. Et c'est là que commence l'exercice pédagogique sur une réforme, gage de l'émergence de la RDC, soutient Pascal Issoumbicho. Ça me rassure parce que les honorables députés, comme les ministres provinciaux, ont exprimé leur souci de voir la réforme de l'administration publique aboutir et aboutir très vite. Tous ont manifesté le souci de voir une administration publique qui doit devenir efficace. Ça me rassure. Les institutions provinciales étaient donc le point de départ d'une campagne de sensibilisation dans cette province, dont on attend des résultats satisfaisants.